précédemment dans Comment on fait pour demain. C'est pas un cheveu blanc que je vois là. Non. C'est un cheveu. Et il est blanc. Ouvre tes yeux. De la nostalgie. À nos âges. C'est ce jour que tout a changé. Un cheveu blanc, seul, sur une chevelure rousse. Dans la cour, ça chuchotait déjà. Il fallait agir. Et vite. Qu'est-ce qu'elles ont à regarder ? Vous nous voulez quoi, là ? Je crois qu'elles te regardent. Mon grand drame, c'est que toutes les filles tombent amoureuses de moi. Je sais bien qu'un jour, il faudra en trouver une. Lui faire des petits plats. Tomber amoureux. Grandir. Mais je ne suis pas prêt. J'ai une belle gueule, c'est tout. C'est pas un crime. Il n'y a vraiment aucune raison de me regarder. Son grand drame, c'est qu'il croit que toutes les filles sont amoureuses de lui. Faudrait qu'on parte sur une île déserte, avec des BD, des chips. Là, il y aura un arbre avec des oiseaux dedans. Bien mal, les oiseaux. Aucune fille à l'horizon. Une bande de copains tout serein. Rien que de la frange camaraderie. Évidemment, il y aura un leader. Naturel, évidemment. On se ferait des blagues et on serait heureux. Et on pourrait crier. Vous sentez ? Le vent et le sable qui tapent sur la peau. Et on pourrait rôter. Aucune fille pour trouver ça dégoûtant. Les gaz pourraient s'échapper tout doucement, comme douce musique. Do, ré, mi, fa, sol, le, si, do. En rôtant sur une seule et même fréquence. Elle serait belle, notre île. Y'en a marre. Les garçons passent leur temps à vous regarder et ils finissent toujours par partir sur une île déserte. J'ai un secret à te dire. Les filles aussi rôtent. Moi, si je veux, je fais l'alphabet à l'envers et en latin. Ah oui? Toi, t'es en train de te faire avoir. Pas du tout. Qu'est-ce que tu regardes? Mais rien. Mais elle aussi, elle te regarde. Tu te souviens de notre histoire d'île déserte entre copains et tout? Oui. Alors pourquoi tu regardes cette fille? Comme si elle avait l'importance. Moi, je crois qu'il tombe amoureux. Vous, on vous a pas sonné. Je la regarde pas. Arrête. Moi, je trouve qu'il a un regard niais. Le parfait regard niais d'un garçon qui tombe amoureux. Vous avez raison. Je la regarde. Tu veux que je t'en colle une? Non. Alors tu vas aller voir cette fille, lui dire qu'elle compte pas et revenir pour faire tes bagages. Là, on passe chez le coiffeur pour homme. On s'achète des costards tout neufs et on se casse. Là où il y a du sable. Et rien d'autre. Et un arbre. Et un arbre. Ok. Excuse-moi, je... Tu ? Je pense que si les gens marchent à l'envers dans un monde à l'envers, ça s'annule. Oui. Ça s'annule. Quand j'étais enfant, je devais avoir 12 ans. Je me suis retrouvée dans cette situation avec une fille. Alors les gens se sont mis à rire. Ça a gâché ma vie. C'est bien. T'as de l'ambiance. Tu veux pas arrêter? Arrêter quoi? D'être comme ça. T'es négatif. Je ne suis pas négatif. J'ai une vision claire sur le monde. C'est épuisant. L'optimisme, c'est bon pour les fous et les hommes politiques. J'étais optimiste jusqu'à l'âge de 7 ans. À 7 ans, Jimmy, c'était mon petit chaton, a mis sa tête dans le pot d'échappement de la Renault 21 de papa pour me faire une blague. Là, le petit garçon optimiste que j'étais riait de ses petites fesses qui remuaient et de sa petite tête coincée. Mon père a allumé le moteur et j'ai arrêté d'être optimiste. À vie. Les Renault 21, y a pas mieux pour la ville. Tenue de route parfaite. Confort optimal. Jambes chromées, banquette sport à l'arrière. Économe et silencieuse, la Renault 21 saura vous faire passer un voyage agréable, en toute sécurité et en famille. Entre potes. Vers une île. Vers une île déserte. Vous sentez? Ça, c'est l'odeur du feu de bois et de la belle étoile. On trouve une bagnole et on se tire. On pourra en voler une?